Yo tout le monde, c'est Retox et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur le serveur d'Uranium Roleplay et aujourd'hui on va être avec notre pote Mathieu et on est en tant que voleur. Bon alors, où est-ce qu'il se planque? Hop, salut Mathieu, tu vas bien? Salut, ça va bien toi? Ouais, nickel. Bon alors aujourd'hui du très lourd, hein. On a C'est juste ça. besoin d'aller carotter un maximum de bagnoles. Je te fais confiance sur ta conduite et nous en attendant on s'est mis Ah. d'accord avec le dépanneur pour lui refourguer ça. Ça va être tip top, efficace, aucune preuve et ça va être du rapide. Ça te va? C'est bon, parfait. Allez, vas-y mec, je te laisse conduire, moi je vais ouvrir la porte et puis on est parti. Hop, on laisse ouvert comme ça on a le temps de venir planquer la bagnole directement. Ok. Hein. Hop, avance un petit peu. Hop, hop, hop. Là, tu... Voilà. Allez, c'est parti mec. Bon, je pense qu'on devrait aller faire un petit tour vers le Burger King. Burger King. Ouais, Alors, on va juste passer mettre un peu d'essence. Ouais, ok, ça marche. On va foutre un petit coup d'essence. Bah, ou au pire, tu sais quoi, on va faire plus simple. Sinon, tu passes devant le Burger King. Moi, tu me tèges. J'essaie de voir s'il y a des bagnoles dans le coin. Que ce soit au niveau du permis le permis de conduire. Ou que ce... Et toi, tu vas faire le plein en attendant, quoi. Ok. Ça va être aussi simple. Comme ça, on gagne du temps. Ah, tiens, en plus, j'ai plus de Ah, voiture. eh ben écoute, c'est quoi? Tu vas me déposer ici et puis bah je vais te laisser aller faire le plein. Je vais aller planquer la bagnole Ok, directement vas-y. là-bas. Hop. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y mec. Vas-y, va Allez. faire le plein. Bon courage à toi. Sois prudent. Allez, hop. Bah écoutez, ça tombe parfaitement bien. On va sortir le petit crochet de serrurier en espérant qu'il n'y a personne dans la bagnole. C'est nickel. Oula, j'entends du bruit. On va rester assez discret. Alors, hop. Il est là, le crochet de serrurier. C'est parfait. Allez hop, on crochète en speed en espérant que personne nous entende. Et c'est parti, le gros stress. On va essayer de faire ça vite. Après, on va planquer ça au hangar. Dans tous les cas, on s'est mis d'accord avec le dépanneur avant. On a juste besoin de lui refourguer à la somme minimum. Lui, il fait sa marche derrière au niveau de la fourrière et on est tranquille. Pas de traces, rapide et efficace. Bon, on va espérer pas croiser les flics en entendant. Hop, allez. Nickel, allez on se casse, on se casse, on se casse. Vous pouvez pas passer à l'avant, merde. Alors attendez. Hop, allez on se casse. Et ça va direct dans mon hangar. Allez hop. On va essayer de conduire à peu près prudemment histoire de pas se prendre un arbre, histoire qu'on se fasse pas poursuivre derrière. Et hop hop hop, on va freiner un peu là. Voilà, allez nickel, et puis on a laissé ouvert. Ça me laissera le temps d'appeler le dépanneur. Parfait, parfait, parfait. Allez hop, discret, zéro trace. Oula. Je vais un peu trop vite. C'est la merde. Ouais, on va faire ça discrètement. Hop là, parfait. Allez hop, ça s'est rodé. Alors, le dépanneur. On va lui envoyer premier véhicule. Ok. Hop, j'entends une voiture. Ah! Eh, hey, tu m'as fait flipper, mec! Vas-y, vas-y, rentre, rentre, rentre. Cache l'épreuve. Ah, tu m'as bien fait bader, hein. Nickel. Bon, c'est bon, j'ai appelé le dépanneur, du coup, hein. Tu peux lui renvoyer un petit message au cas où il l'a pas vu, j'ai pas fait attention. Parfait, ah, c'est bon, il est là. La part plus rapide. Allez, je sors le véhicule. Je sors mon arme, on sait jamais. Oula, niveau conduite, c'est pas tip top. Bonjour, attendez, alors ça va être rapide. Allez-y, hop. Ah, vous savez quoi prendre à ce jour? Bon, alors, comme convenu, hein, on part sur 1500, ça vous va? Ouais, allez-y, hein, faites ça vite. J'attends l'argent. Vous équipez le véhicule et on n'entend plus parler. Nickel, merci. Allez, bon courage à vous, hein. Voilà, on vous appelle rapidement, vous en faites pas. Allez, go, collègue. Go, on se casse. On laisse cette porte ouverte et celle-ci, je la referme. Allez, c'est reparti, hein. Hop. Et bah, à cette allure-là, on va s'en faire des billets, moi, je te le dis, hein. Ah ouais, t'inquiète pas. Des chances, hein.
Ouais, tourne à gauche. On va aller voir là, côté mairie, Burger King. Ouais, ça s'est bien passé ton plein d'essence, c'est bon? Pas de problème? Ah, pas de flic oui, en vue oui, ok, c'est top. Non, personne, personne. Nickel, nickel. Et vraiment nice cette petite voiture là. Comme quoi, voleur, ça paye bien. Waouh. Ah, tiens, une ici. Parfait, elle est bonne à voir. Vas-y, tourne. Accélère un peu. On va aller voir. Eh bah écoute, hop, nickel, je descends ici. Dès que je passe devant, on y va, collègue. Ok, vas-y. Alors, celle-là, elle va être un petit peu serrée, je vous le dis. Elle est un petit peu risquée. Hop, 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 hop. Il y a quelqu'un qui est passé devant moi. J'espère il va pas me voir. Putain, je stresse, je suis en stress, les gens, je suis en stress. Hop, hop, hop. Allez. Nickel. Allez, on se casse, on se casse, on cherche pas. Hop. Allez, on s'en va. On se barre, on perd pas de temps. Nickel, le collègue est encore là. Allez, on s'en va. Hop là. Et deux bagnoles, les gars. Et comme quoi, l'argent, elle arrive vite, hein. 1500$ une bagnole en même pas 2 minutes. Alors là, y a pas mieux. Oula, on va freiner. Faut être prudent quand même. Comment il fait le collègue derrière? Ouais, ça a l'air d'aller pour lui. Tant qu'il raye pas ma voiture, ça me va. Hop. Voilà. Allez, on va manger un peu sur les trottoirs. C'est pas dérangeant. Bon écoutez, moi je prends goût au niveau des vidéos commentaries, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, franchement ça me ferait super plaisir. Après voilà, je fais vraiment ça pour le fun et la détente avant tout, hein. C'est vraiment le bon but principal. Allez hop, on va garer ça à gauche, je vais aller ouvrir la deuxième porte comme je suis le premier. Bien sûr, on galère encore avec les trottoirs. Allez, un petit peu d'élan, on s'en fout si on raye la carrosserie, forcément ça veut pas. Ah bordel! Tu sais quoi, je la laisse ici celle-là. Hein. Vas-y, rentre collègue, on va appeler le dépanneur tout de suite et on va rester armé. Hein. Allez hop, ça va être tout simple, là les trottoirs ils sont trop bas. Hop. Deuxième livraison. Ok, nickel. On va fermer tout ça. Vas-y, vas-y, hein, tu peux rayer la carrosserie, on s'en bat les couilles, hein, c'est pas à nous. Hein. Ah, j'ai fait de la montée, mais... Ah, laisse tomber, mets là en position pour que le dépanneur il arrive, ça sera aussi simple, là, au pire. Il y aura juste à se mettre devant. Tu sais quoi, on va rester avec les armes en attendant. Jamais, hein. Va falloir faire attention, hein, quand même, il y a du monde en ville. Hein. Ah, ouais. En espérant qu'il ait vu l'appel, vas-y, essaie de lui repasser un petit appel, là, il me fait stresser quand il met du temps à arriver. Oh là 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 là. Allez, faut qu'il fasse vite là. C'est pas pour lui, hein. Ah, c'est son gagne-pain. Hein. Ouais, je préférais fermer. Comme ça, on a juste besoin de redécoller. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas du tout. Eh, t'as vu celle-là comment je l'ai pris, eh? Je peux te dire que j'ai stressé sur celle-ci, hein. Ah, m'étonne pas, elle était... Elle t'a découvert, hein. Ah ouais, et puis y'a un mec qui est passé devant moi, j'ai eu de la chance, j'étais dans son angle mort. Nickel, ça s'est super bien passé. Bon, par contre, c'est pas mal qu'il brouille un peu son cul, là, le... Ouais, hein. Ouais, je suis bien d'accord. On va y repasser un petit appel, là. Ça s'est bossé avec nous, là, qu'est-ce qu'il fout? Ah, ah là, bon, on commence à s'impatienter, hein. Allez-y, allez-y, hein. Hop. Ah oui, on commençait à avoir peur, nous. Là, on se demandait ce qui vous était arrivé, hein. Allez-y. Eh, vous regardez, c'est de la qualité, là, au niveau de la voiture. Et 1500, on est gentil, hein, déjà. D'ailleurs,
Hop. Si vous pouvez me coller la voiture qui est sur la partie du bazar, ça m'arrange pas tellement. Ok, ça marche, on va s'en occuper, y'a pas de problème. Voiture, allez, bon, on y va. Allez hop, collègue, on s'en va. Vas-y, je te laisse conduire comme d'hab et on va aller jeter un coup d'œil là-bas. Attends, je vais éviter de prendre mon arme. Hop là. Bon, et puis bah écoute, hein, je pense que là on sera à 3 bagnoles avec la dernière. Je pense que ça sera déjà pas mal hein, en moins de 10 minutes. Ouais, c'est un record du monde, je crois. Ouais, on est efficace en tout cas. Ah oui. Hop, bon, Burger King il nous a dit. Hein. Ouais, vas-y, tourne à droite, fais genre tu passes au drive et puis je vais descendre derrière. Ah ouais, parfait, parfait, parfait. Ah, je comprends pourquoi il voulait qu'on s'en occupe. Hein. Ah oui, oui. Ah, oui. Bah écoute, hop, le drive est fermé apparemment. Bon, allez, collègues. On va rester discret, on va se mettre juste ici. Faut pas qu'il reste devant par contre, parce que là c'est grillé s'il reste devant. C'est chaud. Merde, il est trop loin. J'espère qu'il va sortir l'arme s'il y a quelqu'un qui sort. Oula, bon, on va lui demander un petit 2000 hein, pour celle-là quand même. Hein. On est bien gentil. Hein. Parce que là, franchement, 2000 c'est déjà bien gentil. Hein. Parfait, parfait, parfait. Oh là 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 là. Hey, y a notre pote dépanneur juste là-bas. Sacrée accélération sur celle-ci. Hein. On va éviter de le dépasser par la droite. Vu les flics qu'il y a en ville. On va éviter de faire les couillons. Allez hop, celle-là, on va pas se faire chier. On va attendre que notre collègue il ouvre. Alors, est-ce qu'on va réussir à monter sur celle-ci? Oula. Oula. Désolé, hein, j'ai rayé la carrosserie. Hein. Eh ben, je comprends pourquoi ils voulaient qu'on prenne celle-ci. Hein. On va en demander 2000. Hein. Hop, troisième livraison. On va marquer 2000 pour celle-ci. Parfait. Et on demande 2000 balles hein, sur celle-là, cash. Hein. Par contre, faut faire attention, j'ai l'impression qu'il y a du monde hein, devant qui circule. Hein. On va sortir l'arme au cas où. Et on enchaîne, hein. J'espère qu'il a le temps de les mettre à la fourrière quand même hein, pour se faire sa gratte dessus. Il a même pas le temps de les garer correctement qu'on l'appelle déjà. Ouais. Je vais la mettre dans le bon sens. Hein. Ouais. Allez hop. La mettre dans le bon sens. Bon, allez, on s'en fout. Allez, reste en bon état. Elle est une sacrée reprise cette bagnole. Attention collègue, je la mets dans le bon sens. Plaisir, là franchement je suis désolé monsieur mais nous on vous en demande 2000 hein. Je pense que vous en tirez largement à bon prix. Ah je comprends, je devrais vous donner un petit supplément parce que je m'occupe de l'avoir. Hop, très bien ça marche. Celle-là elle va pour ma consommation personnelle. Bon bah c'est nickel. Bon je pense qu'on va s'arrêter là collègue hein. Franchement ça a été un plaisir de marcher avec vous. On va partager déjà tout ça. Oh là joli butin, merci beaucoup monsieur. Bon allez, soyez prudent et puis on se retrouve plus tard pour d'autres affaires hein. À mon avis là franchement il y a un sacré business à se faire. Allez, range les armes, collègue. Allez, bonne journée. Allez, viens là, collègue. On va fermer la porte. Allez, tiens. Écoute, bah aujourd'hui, ça a été plutôt une bonne journée. On s'est quand même fait 8000 balles hein, en 10 petites minutes. Hein. Tiens, je te donne la moitié. Et puis, bah écoute, moi, je pense que c'est aussi simple. On va se dire à plus tard. Et puis, c'est un sacré business à garder en tête, hein. Franchement. Y a moyen qu'on se fasse beaucoup plus la prochaine fois. Bon allez. Eh ben écoute, moi je te souhaite bonne soirée. Prends soin de toi mon pote et puis on se revoit vite. Hein. Allez, ciao. Salut.